Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dark Souls, donc les premières vidéos de ce DLC du nom de Crown of the Sunken King ou un truc comme ça, hein. Bon, vous le verrez dans la playlist, dans le nom de la vidéo, sur la miniature, n'importe où, voilà, hein. Alors là on regarde s'il n'y a pas de décalage dès le début de la vidéo, sinon je recommence tout, hein. Non c'est bon, allez, il y aura une seconde alors. Donc on est parti, donc je suis pas encore dedans comme vous pouvez le voir. Faut que je baisse le son de l'ordi, sinon ça va pas le faire, ça va me casser les oreilles à chaque fois. Et que je peux pas avoir le son de la télé, vous savez pourquoi. Je viens de récupérer un objet que j'avais jamais récupéré, bon. Attendez, avant d'aller dans la zone du DLC, je veux vite fait vous parler un petit peu du personnage. Donc le personnage, c'est un personnage que j'ai recommencé avant-hier. Donc je me suis refait tout le jeu, histoire quand même de pouvoir maîtriser un petit peu le domaine. Pour pas me faire tuer trop souvent, même si ça arrivera très souvent parce que j'ai jamais fait les DLC. C'est un petit peu une découverte pour moi comme pour vous. Donc voilà quoi, on va y aller tranquillement et je sais pas combien il y aura de vidéos, mais on va bien s'amuser, hein, voilà. Alors ici, voilà, c'est un endroit de merde ça. C'est les petites statues, comme vous pouvez le voir, empoisonnent. Alors le jeu est sombre, est-ce normal ou non? Apparemment oui. Non, c'est que j'ai sur les prises, donc les 5 prises, là, les prises de couleurs différentes, là, le Y, B, C, machin. C'est vrai que le jeu est beaucoup plus clair, c'est pour ça que ça m'étonne un petit peu, mais bon. Bon bah l'entrée du DLC ça va être après cet endroit là, donc la charogne. On va essayer de gérer un petit peu, donc je me suis pas trop spoilé niveau des DLC. J'ai été qu'une fois dans le DLC mais tout au début juste pour voir à quoi ça pouvait ressembler. J'ai jamais affronté un seul boss dans le DLC donc ça va être magnifique. Pour information je joue en hors ligne. Voilà, je joue en hors ligne. Pour pas trop me faire envahir et pour pas trop me spoiler, pour rechercher par moi-même un petit peu tous les endroits cachés ou même les items ou des trucs comme ça. Ou pour pas me faire envahir aussi, c'est une partie... c'est aussi pour ça. Le stuff qu'on a actuellement, c'est le stuff de Pharah, donc le stuff qu'on peut voir en regardant la boîte du jeu. Donc l'emblème de ce Dark Souls 2. Donc voilà, je compte bien vous faire faire les 3 DLC, mais ça risque de prendre un certain temps et puis j'ai pas trop envie de faire... Je le ferai, mais j'ai envie un petit peu de faire autre chose entre, par exemple, au lieu de vous proposer du Dark Souls tout le temps, peut-être que j'essaierai de faire quelques vidéos découvertes, présentations, ou des trucs comme ça entre temps, parce que c'est des choses qui me tiennent aussi à cœur, et puis voilà. Surtout que les vidéos découvertes, pourquoi pas vous les faire sur des démos de jeux attendus ou des choses comme ça. Sur PS4, PS3, Xbox 360, parce que je l'ai branché sur le HDPVR, il faudra que je fasse des tests son et tout, mais je pense que ça devrait aller. Je pourrais peut-être vous proposer quelques vidéos sur Blue Dragon, qui sait. Pas un let's play parce que ça... je garantis pas de le finir. Donc... ouais. Donc ça c'est le premier DLC. Et ça s'annonce assez compliqué. Donc ça va être des morts tout le temps. On va bien s'amuser. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai grande boule de feu. Enfin, ça c'est... Bon, là, je vous parle un petit peu de mon perso parce qu'on n'est pas encore rentré dans le DLC, c'est pour ça, j'en profite un petit peu. Ouais. J'ai boule de feu parce que je voulais mettre un truc parce que je me suis dit, j'ai optimisé un petit peu mon perso. Donc, je me suis dit, je vais mettre un buff d'armes. Mais malheureusement, j'en ai pas donc. Attendez, je vais regarder vite fait si j'ai pas. Bon, on pourra toujours servir des résines de poudre, de pain doré ou des choses comme ça. Même si elle est. Comment ça s'appelle ? Ce dragon, je pense qu'on le reverra plus tard. Je l'ai vu qu'une fois parce que je vous dis, c'est le seul que j'ai vraiment été dedans et que j'ai pas été trop loin. Genre, j'ai fait le feu, j'ai tué 3 ennemis, je suis revenu parce que c'était hardcore. Donc, ça va être catastrophique. Mais déjà, la zone, quand on la voit comme ça, elle est vachement grande. Le stuff que j'ai sera peut-être pas définitif parce que dans le DLC, je pense quand même qu'il y aura des armes, des armures et tout. Peut-être beaucoup mieux, surtout que mon armure est même pas up. Voilà, le casque à plus 6. Peut-être qu'entre chaque vidéo de Dark Souls, avec les armes récupérées en hors vidéo, du coup, j'essaierai d'améliorer un petit peu mes armures ou des armes, des choses comme ça. Bon, deux chemins s'offrent à nous. J'avais été par là, mais ici c'est le gangbang. Hein. Ici, c'est vraiment le gangbang quand on va par là. On va y aller, hein, après tout. Alors j'ai fini le jeu, avant de vous proposer ça. Ça va être assez complet. Ça va. J'étais venu avec une arme beaucoup moins puissante aussi quand j'y avais été avec mon autre perso. Parce que oui, ça fait 9 fois que je finis le jeu, je commence à en avoir marre.
Oula. Alors toi mon ami, on va se batailler à l'arc. Boum. Ok, je tape que dalle. Hein. On va éviter d'y aller à l'arc. Les grands boules de feu, je les garde vraiment au cas où. Voilà cette partie du... Ah, attendez. Là, cette partie va être très complète. On va peut-être y aller par le côté du coup. Alors je vais pas trop parler non plus, contrairement aux autres vidéos où je peux le faire. Parce que ça demande quand même assez de concentration dans cette zone, j'ai l'impression. On se fait sauter dès le début. C'est énorme. Voilà, donc on aura beaucoup de morts. Hein. Je garantis pas quand même de jamais mourir parce que ça. Dans Dark Souls, ne pas mourir alors qu'on connaît pas les lieux, j'ai envie de dire c'est presque possible. Hein. C'est possible pour le mec vraiment qui a pas de système des Thunder dessus, qui maîtrise, qui a une arme vraiment adéquate. Moi j'ai une arme. C'est juste que j'aime bien le moveset, mais j'en ai une autre que je vous montrerai peut-être plus tard parce que celle-là a des dégâts électriques. Ah voilà, infusion. Des poudres. Alors, j'en ai une, elle est en feu. Oula. Attendez, est-ce que je me suis go... Mais non. C'est quoi ce truc? Il n'y avait pas ça avant. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est encore? Ça y est, je découvre des choses. Qu'est-ce que... Pourquoi ça parle? Oh putain, ça commence, ça y est. Oh putain. Ça va être... Non, les vidéos sur les DLC vont être... Ça va être catastrophique, hein, fou. Je vous le dis parce que je le sens bien quand. Ah mais 3v1 hein, à l'arc en plus les gars, vous êtes pas. Waouh. En plus ils ont des flèches qui font assez mal et qui provoquent de l'empoisonnement. Et là-bas qui soigne. Attends là j'ai tenté gros parce que je connais pas. Oh, on va devoir quand même. Dans les zones où il y a beaucoup d'ennemis, il va falloir trouver quelque chose parce que là, si on bouffe autant de fioles. Peu d'ennemis comme ça, ça fait... Ah, et putain, ils ont des équipements. C'est passé. Non, j'ai les gemmes de vie, hein. J'ai les gemmes de vie radieuse, voilà. Ça. J'avais un doute sur le nom. Alors, pourquoi ça s'est remonté? J'avais pas ça tout à l'heure, attendez. Peut-être qu'on t'a pensé tout. Ah, d'accord. Oula. Ok, il y a même un ennemi qui nous accueille, genre salut c'est moi. T'as voulu me faire sortir, bah assume maintenant. Bon tu descends. Oh Manu, tu descends. Allez viens. Ah mais ils ont un trop gros équilibre. Bon moi aussi du reste vu qu'ils me bougent pas. Mais... D'accord, en fait on tape ces trucs, ça tourne et ça fait. D'accord. Et si je leur tape, ça redescend. Ok. Le chat on se calme, merci, d'accord. Pas parce que t'es passé dans les achats de gâches épisode 57 que ça y est, hein. Tu vas pas passer dans toutes les vidéos non plus, merci. Alors, gemme de vie, x5, putain ça c'est bon. Enfin j'en ai récupéré 20, j'ai rien compris. attendez, on est ça. Si je tape celui-là, ça fait... Oh là là, mais attendez, me dites pas qu'on va devoir jouer avec ça tout le temps, hein. Faire descendre et monter les trucs à chaque fois. What, le chat, hey, dégage. Merci. Bonne continuation, salut. Attendez. Peut-être qu'en dessous il y a des items, qui sait. Donc je vais toutes les bouger, je vais toutes les faire remonter. Mort de rire, je me suis fait taper par par un bâtiment. Bon. Non, ce qu'il faudrait. Ah, attendez, je l'ai pas. C'est l'anneau qui me permet de restaurer de la vie parce que quand je fais rien comme ça, ça me la restaure. Ouais, je vais pas l'avoir. Ah, ça va. Les DLC vont être tendus, vont être très tendus. Encore plus que ce que je pensais. Ça va être comique. Parce qu'apparemment aussi, il y a beaucoup de murs invisibles. Donc, beaucoup de zones cachées. Alors, presque envie de le backstab. Bon, on va faire le tout. On va pas descendre comme ça. On va descendre tranquillement. Oula. Quoi? Okay. Ça y est, c'est les chiens maintenant. Quand je vous dis que je peux pas faire une vidéo tranquille sans qu'il y ait de bruit de fond, c'est ouf, hein. C'est ouf. Ouais, bon, il y a rien ici. Bon, cet endroit servait juste à se faire défoncer, apparemment. Je vais pas reprendre le feu au cas où que les amis, bah, du coup, ils vont respawn, donc on va éviter de prendre le feu. Si fiole, ouais, ça peut passer. Allez, on y va. Bon, on va passer par... Oh, attendez, y a un truc.
On récupère le vieux baume de croissance. On n'avait pas déjà dans le jeu normal, ça. Oh non, j'ai passé 30 ans à chercher. Ça le fait tout le temps, ça. Dès que je récupère un objet, je le cherche. Je le trouve, mais jamais, hein. Des fois, je me dis, bon, ben, je sais pas à quoi c'est. À quoi ça sert, vieux baume de... Ah, si, si. Bah, ça augmente ma force, moi, c'est sûr. Je sais pas si ça, comment ça existait dans le jeu. Ça devait bien exister. En tout cas, il y a une ambiance dans ces genres de jeux, c'est pas... Ok, donc c'est pas par là. On n'est pas obligé de passer par le bon côté, quand même. Bon, ben d'accord, apparemment si. Très bien. Très bien, très bien, très bien. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Non, des fois, je regarde la capture quand même. Au cas où. Faut pas tout faire pour rien. Donc, du coup, comment ça se passe là? Ah, attendez, j'ai l'idée. Je tape ça. Non, j'ai dit je tape ça. Dès que ça descend, je me vais dedans. Enfin, je vais dessus plutôt. D'accord, ok, bon bah c'est tout ça qu'il fallait faire alors. Je ne sais pas. Oula. Un petit backstab mon pote. Allez, premier du DLC. Ah, ça les tue, ça fait plaisir. Non, parce que si ça les tue. Ah si, c'est activable. Ça sert à quoi là? Ça fait tout trembler. Oula, d'accord. Oula, c'est qui ça? Ah, il a une... Ah, ça c'est rare ça. Faire un backstab ou c'est comment mon pote? Ok, je peux pas, pardon. Il aime pas trop les backstab lui. Alors ça c'est une lance de cavalerie. Enfin c'est, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est assez spécial quand même. Bon, mais comment je monte là-dessus moi? Oh mais SDLC ça va être tu montes, tu descends, tu montes, hein, rien à faire. Oh hé, attends, comment je récupère les objets? Faut que j'aille de là-haut. Ah ouais ouais peut-être. Ah ouais, comment je remonte? Oh putain, oh, c'est un labyrinthe, ça y est, ça commence. Ça commence. Bon ici, ça m'inspire pas trop. Ici peut-être. Peut-être embuscade? Non. C'est rare qu'il n'y ait pas d'embuscade dans ce jeu. Ça, ah, ça sert à quoi celui-là? Oh mais sérieux. Attends, on va devoir bouger des piliers comme ça tout le temps? Oh putain! Culé, ils sont deux! Vite, on feinte! Un petit backstab! Allez, ça faisait longtemps! Putain, la vache! Un petit backstab! Aïe, 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 aïe! Un petit backstab? Non? Non, lui, il a pas envie de backstab! Dégage! Dégage! Laisse-moi passer! Saloperie! Fumier, va! Putain, j'ai... Oh là là! C'est pour être beau ces DLC, putain. Allez hop, un petit backstab, ça faisait longtemps. Voilà. Est-ce que j'utilise la fiole? Allez, on utilise une fiole, parce que les gemmes, c'est quand même un petit peu plus dur à trouver que les fioles. Alors que les fioles, tu vas un feu, ça te restaure. Peut-être un petit endroit caché ici? Non. Allez hop, on bouge ça. Est-ce que ça descend la tour ou est-ce que ça fait... D'accord, ok, ça déclenche ce passage. Ok, très bien. Non, je fais pas un speedrun, c'est juste que j'essaie de comprendre ce qui se passe. ok, il y a... Ah, là. Et qu'est-ce que ça sert, ça? C'est français, ça, putain. Qu'est-ce que ça sert? Oh, lol. Attends, mais on va pas devoir ouvrir des trucs tout le temps comme ça, quand même, oh. Ah, moi, je suis pas fan, là. Oh, lolo. D'accord, en fait, pour se décoincer, il faut toujours taper. Poison, là-dedans, non? Ah, non. J'ai cru qu'il y avait du poison, oui. Ouais, on va attendre avant de descendre. Oh, mais il va être chelou ce DLC. Hein. Ah, ça va être louche, les gars. Comment tu peux deviner qu'il faut taper ça? J'ai même pas fait exprès tout à l'heure. Hein. Je me rappelais même pas avoir tapé. Ça, c'est un ennemi. Si, c'est un ennemi, mais. Wow! C'est quoi? Qu'est-ce que. Oh! Je me fais attaquer par une statue. Quoi? On peut pas la tuer, cette... Attends, non. Ça me balance des trucs depuis tout à l'heure et je peux pas la tuer? Oh. Elle va où? Pouh. Ennemi pété! Ennemi pété! Bon, ok, à gauche ou tout droit? Oh putain, mais... D'accord, on va aller en bas, on va aller en bas, c'est bon.
putain, je me suis pris une flèche dans le pied, quoi. Le mec, il vise que mes pieds. Ah, coucou, toi, tu crois qu'on t'avait pas vu? Allez, ramène-toi. Wouah, ils sont deux. Ah, ça, par contre, c'était pas prévu qu'ils soient deux. Mais ça, c'était prévu, le backstab. Mais je prends quand même des dégâts quand je backstab, quoi. Comment tu veux? Ouais, bon. Ok, on s'énerve pas, on s'énerve pas. C'est bon, facile. Je maîtrise, vous inquiétez pas. Alors, ici, il y a quoi? Ok, alors, on monte? Ouais, attendez, attendez. J'ai pas envie de... Non. Non, j'ai continué de l'autre côté parce que j'ai pas envie d'oublier des choses quand même. J'aimerais bien faire un DLC complet. Voilà, pas zapper la moitié des zones, donc on va aller là-bas. Je vais peut-être prendre une petite gemme de vie quand même au cas où, parce qu'avec l'archer de là-haut, ça me fait un peu peur. Ah oui, il est quand même assez loin, quoi. Ça va être assez compliqué d'y aller. Attendez, je vais essayer d'appuyer ça, voir ce que ça peut faire. Ah, mais ils sont tous archers dans cette zone. Ah, laisse tomber, c'est The Zone, The Arc. Hein. Archétype même, je dirais. C'est dégâts ça, voilà. Ouais, je suis sur Sky. Quoi? Attendez, non, j'arrête de dire des conneries. Il est sur Sky. Sur Skype. Sur Sky. Skyrock aussi. Bon, y'a que dalle ici. Enfin, si, y'a des items depuis tout à l'heure, mais je vais tuer eux quand même. Ah, mais ils sont chauds ceux-là. What? Oh, y'en a un troisième! Oh la vache. Bon, backstab! Merde, backstab, backstab! Ah, il a pas voulu! Quoi? Mais je suis où? Non, je suis parti où encore? Ça y est. Je commence à faire kangourou, putain. Quoi? Oh putain, ils me suivent! Oh, attends! Vas-y, tombe! Ah, l'enculé, tombe pas! Ah, mais ça me balance des flèches! On se dégage! Bon, ramasse les items, mais on se dégage! Bordel! Bon, lui, allez! Lui, on se le fait, vas-y! Il me fait un petit coup de pied, pas grave, un petit backstab, bam, bam, bam! Et d'un, ça y est, ils sont revenus tous en mode arc en haut! C'est la fête du slip! Bon, donc. Attends, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va pas venir. Oh, mais genre, il cherche l'angle de vue, quoi! Oh! Bon, mon gars, t'as pas la portée? Bah, tu tires pas! Laisse-moi! Attendez, attendez! Ok. Lui, c'est good. Tiens, même toi, Bim, le petit coup d'épée, ou qu'est-ce que tu veux. Allez, bim. Non! Pas le backstab, il est pas passé! Boum! Boum! Allez, c'est bon! Edin! On est bon là. Ah, mon drop est. Ah, le drop tombe! Tant pis. Le drop tombe. Genre, le drop, il a même pas envie que je le récupère, quoi. Genre, il se caste. Il se caste. Oh là là! Problème de langage! Mais attends, mais je peux pas les péter, c'est... Attends. Attends, c'est pas... Attends, ils me foutent des statues qui m'empoisonnent et je peux pas les péter. Mort de rire. Oh, mais au pire, ça me bat les couilles, ça va. Non, mais je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Peut-être qu'il y a un item, je sais pas. Attendez, il y a pas un autre... Non, non, ça, c'est l'Italie. Ah, voilà, là-bas. Il y avait un autre objet, c'est bien ce que je me disais, mais là, ça va être compliqué avec les statues si on peut pas les péter. Ah, des titanites scintillantes, ça, c'est cool. Ah, là-bas, on dirait qu'il y a un chemin. Attends, pas ce chemin, là. Si, 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 il y a un chemin. Que faut que tu en aies... Ah, il y a une échelle. D'accord, il y a une échelle. Faut que j'y rentre. Hop, hop, hop. Elle remonte. Ça, c'est beau. Ça. Ok. D'accord, ensuite. Ok. Ah, à mon avis, il fallait pas taper dans les. Dans les trucs en mal. Dans les genres de statues là. On se casse. Oh putain. Ah, oh, bien joué. Bien joué. Ouais, à mon avis, fallait les laisser activer. Ça, c'est la fin de ça. Tu sais pas s'il faut les laisser activer ou pas. Tu sais même pas ce que ça enclenche, en fait. Ah, mais ça le descend. Mort de rire. Bon, bah, je le retape, alors. Oh, je suis coincé, quoi. J'ai peur de tomber dans le vide, en fait. J'ai gêné le fail, de tomber dans le vide, le type. Tac, 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 bon. Non, en fait, on va faire un truc plus simple pour le DLC. Je vais même pas améliorer les armures ni rien. Je le ferai à la fin de chaque DLC au pire. Ce qu'on va faire, bah. Ouais, c'est. Quand on trouvera un feu en fait. Quand on trouvera un feu, faudra j'essaye de me couper. Ah ouais, je couperai là, d'accord. Attendez. Là-bas, il y a un drop. On ira le voir plus tard celui-là. Non, non, non. On reste calme, j'ai dit. Ça à quoi ça?
Ah, ça le descend lui aussi? Attends, mais j'essaie de comprendre la construction du niveau. D'accord, ici, c'est... D'accord, ok. Hop! Doit... Oh, pierre du chevalier ténébreux? C'est quoi ça? Peut-être une... Un fragment comme ça. Pierre du chevalier ténébreux. Ah d'accord. Ténèbres, l'équipement. L'équipement, d'accord. Oula, attendez, comment je ressors là? Oula, je vais pas... Attendez, je vais pas sauter. Je vais me foirer si je saute. On a eu de la chance. Ah, je suis nul en saut, les gars, je vous préviens. Ah, dans ce DLC, on va mourir plus par les sauts, si on a toujours comme ça, que par les monstres. Voilà. Il y a deux gardes là. Putain, c'est grand. Oula! On dirait que les pics, ils vont tomber sur notre tête, en fait. C'est chelou. Louche. Ah, peut-être... Attendez, il y a un ennemi. Non, il y a personne. Si j'appuie là, ça fait quoi? Rien. Il y a quoi? Pièce rouillée. Putain, 10 pièces rouillées! Putain, ça augmente la chance, je crois. C'était déjà dans le jeu, ça me semble. Voilà, pièce rouillée. Augmente temporairement... Temporairement. Temporairement la chance. Oh, où toi? Salut. Au revoir. Bonne journée. C'est genre le dragon. Il pète les monstres, il s'en va. Normal. Bien. Ça m'intrigue par là. Tiens. Ouh. Ouh, l'intrigation. Et je récupère concentration d'âme. Ouais, d'accord, c'est un sort magique. Ouais, mais je suis pas fan du sort. Ah, attendez. Une forme de sorcellerie ancienne née à Shulva, la cité sanctuaire, elle permet de tirer un rayon concentré. Oulala, Kamehameha quoi. Faudra peut-être que je me fasse un mage un jour et que j'essaye ça. Les sorts dans les DLC, dans le jeu normal, parce que j'ai jamais fait de mage. Juste ceux qui lançaient les lances de foudre là, les miracles. Les prêtres, je crois que ça s'appelait. Ok, même pas besoin d'appuyer, elle s'ouvre. Ok. On dirait cet endroit là est en train de me faire penser à Lara Croft. Il y avait un niveau dans un jeu de Lara Croft, enfin Tomb Raider, où c'était un truc comme ça, ça s'ouvrait et en fait ça nous tombait dessus. Fallait speeder pour y passer. Enfin, c'est chelou, je sais pas, ça sort de loin. Sanctuaire du. Ou une nouvelle zone, un feu de temps peut-être. Ouais, c'est verrouillé. Je peux pas le. Ok, on attend une. Un champ, et peut-être un mur illusoire. Hein. Ah, même pas. Attendez, il y a peut-être... Je suis sûr qu'il y a un feu de... derrière cette porte, je suis sûr qu'il y a un feu de... Oh, ben, vous allez me dire, j'ai aucun moyen de savoir ce qu'il peut y avoir derrière. Bon, ben, on va continuer... Ah, d'accord, là. D'abord, il faut le taper. Ouf, quel esprit de déduction, là. Oula, il y a trois embranchements. Il y a quoi là-dessus? D'accord. Cadavre. Pas de mur illusoire. Non. Et on ramasse une grande dame d'héros et une amulette draconique, d'accord. Là, on a deux chemins qui s'offrent à nous. D'accord, celui-là, déjà, si on descend... Ok, non, on va prendre l'autre. Non, parce que là, si on descend, si vous voulez, je pourrais pas remonter par cette route. Mais après, ça m'étonne. On change de zone, il n'y a pas de feu. Ah, putain. C'est quoi, ça? Je suis en hors ligne. C'est un ennemi, ça. D'accord, c'est un ennemi, on affronte Casper. Et là, je peux descendre. À mon avis, je peux pas descendre si je peux. Ok, il y en a deux. Allez, doucement. What? Je tape que ça? Oh putain, on dégage. Il y a quelque chose à faire là, non? Il y a un coffre, deux coffres. vite, la masque. Ça l'a traversé. Oh putain. Les gars, on est dans la merde. Il y a trois coffres quand même. Oula, oula, oula. Ah ouais, ouais, ça se tend. Oula, oula, oula. D'accord, ok. Ah, je vous ai... Attendez, je vous explique. Ok, c'est bon, j'ai pas. Ok. Oh. C'est quoi ça? Oula, 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 oula. Ah ouais, quand ils sont deux, c'est mort, hein.
je vais vous expliquer, attendez, je finis. Hop, ça va être facile, on part. Bah, d'accord. En fait, les cadavres qu'il y avait, on aurait dit... En fait, c'était eux, dans leur forme solide. En gros, en forme humaine. En gros, on les a pétés, si vous voulez. Ils étaient dans un état second, en quelque sorte. Je sais pas comment expliquer, en fait. En fait, c'était leur corps, mais ils étaient comme Brook dans One Piece, dans les épisodes... Oh, je suis parti, moi. Comme Brook dans les épisodes de One Piece, là, les derniers qui ont pu sortir. Enfin, même avant. Ou si vous voulez, il se dissocie de son corps et c'est un fantôme intouchable. Là, à mon avis, c'était la même chose. D'accord. Ok, c'est bon. Je crois que là, on tient quelque chose, là. Ok, bon, mais c'est une bonne idée, hein, c'est une bonne idée. Mais, faut le deviner, quand même, hein. J'ai tapé dedans parce que je me suis dit, bon, ça doit bien servir à quelque chose, et bam. Ok, vieux bonne de croissance, d'accord. Non, je tape un coup parce que si c'est un coffre piégé avec un monstre dedans, j'ai à avoir peur encore. Tout à l'heure, quand je jouais un petit peu avant de faire la vidéo, ah, j'ai eu peur, hein. Ah, il est sorti du coffre, je m'y attendais même pas. Non, parce que d'habitude, je tente pas, mais depuis ça, je tente, c'est bon. C'est pour avoir un screamer de coffre, hein, voilà. Dark Souls, survival horror. Casque de Katarina. Oula, on commence à avoir de l'armure. Ah, Katarina, c'est pas celle dans... Ah, si, si. Je crois que c'était dans Dark Souls 1 qu'on l'avait. D'accord, bon, ça m'intéresse pas, parce que je sais pas, c'est moche, on dirait un melon. Le seul que j'ai pas tapé dedans, ça aurait été le monstre, vous savez. Flèche, oulala, 50 flèches. Ça veut dire, bon, écoute, tu vas bientôt galérer. Eh bien, on va te donner des munitions. 50 flèches. Ah, c'est des grandes flèches en plus, destructrices. Destructrices, d'accord. C'est un sort d'endofus, ça, les flèches destructrices. Y a pas un feu de camp, s'il vous plaît. Ok, je pète ça, ça se trouve, il y avait du poison dedans. Peut-être que je regarde avant. Non, à mon avis, il n'y a rien. À mon avis, c'était juste une salle, histoire de dire, tiens, on va manger les, on va te donner les choses, tu vois, pour t'annoncer la couleur un petit peu plus tard. Bon, d'accord, il n'y a que dalle. Ah, peut-être... Ah, c'est quoi, ça? Ok, une épée. Non. Ça, c'est... Je dirais que c'est un mauvais point, parce qu'on peut pas... Il y a des murs illusoires, des fois, on peut pas deviner. Oula, oula, attendez. Parce que... Ah, là, on va la jouer fourbe. Alors, mon pote, bonne nuit. Quoi? Ah, ça y est. Non, là, je joue fou. Ah, oulala là là. Attends, pourquoi t'as du poison autour de... Non, tu m'empoisonnes pas, quand même. On va y aller doucement sur eux. Bim. Oh là là! D'accord, ils empoisonnent des cônes au corps à corps. Chaud. Voilà, bim. D'accord, ils empoisonnent cônes au corps à corps. Oula! Alors là, soit je tente le backstab, mais j'ai peur de me prendre le poison. Oula là, attends. C'est quoi ça? Heureusement que j'ai une bonne allonge, hein. Le mec qui fait le DLC avec une dague, il est pas dans l'air du poison. D'accord, attendez, déjà, si on se fait empoisonner, on va prendre nos précautions. Voilà, on met des mousses toxiques. Oula, attendez, ça se complique, là. Là, faut de la skill, là. Non, franchement, là, on est pas mauvais, hein, honnêtement, je croyais que j'allais... C'est quoi le truc, là-bas? Le cercle sur le mur? Coucou. Oh là là, oh, le piège grossier. Regardez, il y a le trou de l'arbalète, il doit y avoir le... Voilà, ça. Mort de rire. Je l'aurais levé plus tôt, il serait mort à cause des flèches, quoi. Oula. Allez, on utilise la magie. On est safe. Boum. Ah, mais elle est pourrie. Ok, ils ont une bonne résistance feu. De toute façon, j'ai pas mon gant augmenté. Allez, ramène-toi, là. Je crois qu'on a que ça à foutre, nous, on a un métier, hein. Allez, bim. Non, y'a pas son pote derrière, si. Allez, à toi. Viens. Non, j'ai été trop tôt. Non, c'est bon. J'ai cru qu'il allait faire son truc à deux coups, j'allais me prendre un coup de masse dans la gueule. Un coup de masse plutôt, pas une couine. Bon, là on est bon. Là donc le piège, est-ce qu'il a à l'infini celui? Oui, il a à l'infini apparemment. Ah mais ça, c'est dévastateur quand vous le prenez. Ok, alors déjà le relevé, c'est des pièges. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Bonjour, je préchote. Ok, d'accord. Ça va être encore un putain de fantôme, ça. Les coffres piégés, ça. Oh putain, même pas. Attendez, je... Ouh ! Saleté ! Merde, j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir. Si. Non !
suis presque mort. Oh putain. Eh mais les pièges par contre on peut pas deviner. Attends, on peut pas deviner quand c'est ça. Et en plus c'est dur à esquiver. Enfin, je me demande si en mettant le bouclier ça passe pas. Ok, ok, ok. Alors il y a un chevalier qui nous empoisonne. Et une mage. Donc on va y aller à la mode safe. Petite flèche pour papa, une petite flèche pour maman, une petite flèche pour... Genre, le mec, il esquive en marchant. Pas parce que j'en ai 300 qu'il faut esquiver. Ok, elle craint le feu comme ça, donc tu vas t'en prendre beaucoup de flèches. Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, tu m'as pas vu. Allez, bim. Je suis un crat, moi. C'est moi. Ah bah oui, je croyais que c'était le oiseau. Maintenant c'est moi. Merde. Une flèche de trop. Alors. On va faire pareil pour toi, écoute. Pour une fois que dans Dark Souls, il propose de la facilité. Moi j'en profite. Alors on a combien? 31, 10, 30. Ouais, c'est bon, on n'est pas trop mal là. Allez, bim. Il va pas te manquer beaucoup de flèches, toi. T'en vas pas. Il est pas mort. Ok, bon, on est bon. Alors, j'ai plus de sorts, j'ai plus trop de fioles. Alors, on va réfléchir un petit peu. Est-ce que là, il y aurait pas un mur invisible quelque part? Non. Là, ça, j'ai cru. À mon avis, c'est une porte qui s'ouvre avec un mécanisme quelque part. Ok, bon, mais il n'y a pas beaucoup de choses. On descend. Ah, non, regardez. D'accord, c'est l'escalier qui... D'accord, c'est l'escalier tout à l'heure. Oula, attendez. Il y a un ennemi là-haut. Ok, on est des figimènes. Lui, il ne rentre rien. Il va pas un petit mur illusoire. Pas. On active ça. Oula, 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 oula. Attendez, là on se casse par contre. Ok. Faut appuyer, c'est ça. Pas parce que j'aurais pas pu y passer là-dedans. Ok, à mon avis, il faut le mettre droit. D'accord, ok. Ça va. C'était pas trop dur. J'ai pas trop réfléchi. Ça va, mon cerveau a pas fumé. Ok. Y'a pas un petit mur illusoire. J'ai envie de... Oh, on peut pas y aller. Ok. Oh, y'a un truc, là. Non? Toujours le champ en fond. Ok. Poudre de réparation. Y'a pas un feu de camp là? C'est quoi cette porte troll là? Ouvre-toi! Saloperie. Oh mais j'aime pas. Oh non! Oula! Attention! Bon, on me prend pas pour un con, moi. On peut, mais quand même. Ah, ah, ah! Ah. Oh, les trolleurs. Les trolleurs trollés, vous connaissez? C'est quoi ce couloir? On va sortir où, là? Putain, ça me fait une pression de ouf, là. Ah, y'a un coffre? Y'a rien? Ok, mort de rire, un cul-de-sac. Bon, on n'a pas vraiment le choix à vrai dire là, hein, les gars, sans vouloir vous vexer. Peut-être que... Ah, attendez, peut-être la flèche. Attention, flèche destructrice. Mort de rire? Bon, bah bonjour, je m'appelle Jean-Luc Devinette, je devine tout. Ça se ferme pas, hein? Oula! Bon, déjà, ça va. Ah! Coucou! Coucou! Ah, attendez, c'est un cavalier. Non! Pas le poison. On le prend pas! Yes! Oh, c'était timé. C'était timé, c'était chaud. J'ai. Oh, je. Oh, non, non, j'ai vraiment pas envie de descendre. Ah, quoi que. Merde! Oh, aïe, 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 aïe! Ça, c'était dur. Ouh! Tous ces pics! Dégage! Bon, pas grave, allez.
Vite la roulade. Non, trop tard. Oh putain, je vais crever. Vite, merde. Oh, il me suit pas. On se calme, on se calme. Surtout dans ce genre de moment, faut rester calme. Il va repartir bas. Non, non, pas hihihihi, comment je passe, moi? Ok, il y a du temps. Boum! Oh putain! Ça se redéclenche? Ça fait peur. Piégé? Non. Porte? Non plus. Piégé? Non. Mur illusoire? Putain, mais... non, non, mais j'ai envie de trouver quand même un mur illusoire avant de m'arrêter. Enfin, un feu de camp, plutôt. Y'a pas de piège là-dedans! Non, c'est bon, dans celui-là. Pierre foudroyeur, qui pienne pierre de... Et là-dedans? Ok, ok. Staline, ça tient 2x3 et autres. Oh, se pétrifier, faut... Ok, bon, mais y'a pas... Bon, mais y'a pas de mec... Attendez, mais y'a rien. Bon. Bon, on va repartir dans le trou, du coup, on a pas vraiment le choix, là. Ah, c'est en train de me faire peur, là, ces conneries. C'est quoi, ça? Bah, putain, c'est dégueulasse. Grosse mouche. Ok, elle a pas de vie. Oh putain, c'est le repère des mouches en bas. Moi, j'entre pas là-dedans, moi. Oula. Ok, ok. Oh putain, non, mais ça lance des maléfices. Ok, je t'ai vu. Bon, ben les gars... Moi qui voulais pas faire une heure, c'est mal parti là. Allez, dans le pied. Bam, dans le pied. Raté, dans le pied. Raté, dans le pied. Raté, dans la tête. C'est bon. Encore raté. Et ouais, tu veux jouer avec tes maléfices tout claqué? Moi je joue à l'arc, voilà, campeur. MDR, LOL XD. Alors qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais pas grand-chose, hein? Hein, t'as vu un peu quand je te braine comme ça? Elle est pas morte? Merde. Enfin, il ou elle, hein, je sais pas. Hein. Monsieur, madame, bonjour. Voilà, dégagé, ça c'est fait. Du coup, y a plus personne pour les maléfices. Non, allez, ramène-toi, toi. On te ramène pas, ne ramène pas! C'est son cadavre! Chien galeux, chien galeux! Oula, attendez, ça va être compliqué, là, ce combat! Attendez, comment je veux le tuer, là? Il a beaucoup de résistance. Faut trouver son corps. Ouh, il a fait un chichi Sanson là. Zoro, c'est toi? C'est son fantôme, hein. Ok, ok, ça va. On se calme. C'est tentable comme ça. Allez, on court. Il y a des pits partout. Ok. Ah, mais attends. Faudrait que je le tue immédiatement. Non, 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 je me bats pas là, moi. Hé, tu peux me lâcher, toi? Nito Liu Yai, la showman. Allez, go. J'étais trop court. Oh, y'en a un deuxième! La tire pas, s'il te plaît! Tu me fous déjà assez dans la merde, toi.
Ok, faut bouclier. Là. J'ai pas eu l'un. Oh non, il y a les deux. Ça va être chaud, ça va être chaud. Oui. Putain. Putain de merde. Ok. Aïe 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 aïe. Là on n'a pas le choix de rusher là. Oh pas ton mal bouffon. Et lui qui me suit en plus. On trace, on s'en fout. J'espère que c'est pas un boss. Non c'est bon. On trace. Avec ta vieille pyromancie toute claquée, mon gars. Avant pourtant. Ah, il spam. Merde. Ah putain de merde. Oh mais c'est impossible. Il y a un feu de camp. C'est obligé qu'il y ait un feu de camp là, les gars. Attendez, mais on peut pas faire autant de distance en feu de camp. Oh mais... En plus, ce mec qui nous envahit, on n'a pas eu de chance, un pyro ancien. Et les pyros anciens dans le jeu, c'est cheaté. Ok, bon, bah, première mort du DLC, écoutez, c'est mal parti, là, tout de suite. On a perdu toutes nos âmes, en plus, du coup. Et du coup, bah, ça va être dur de se retrouver par la suite. Bon, pourtant, on était bien parti, maintenant. En plus, on n'a pas débloqué de raccourci, j'ai presque plus d'effigie humaine. Ah ouais, franchement, là, on n'est pas du tout dans la merde pour retrouver le chemin où on était parti. Mais quand même, c'était bien parti. Je vais juste vérifier quelque chose avant d'arrêter ce premier épisode qui a été quand même un petit peu long. Je dois bien l'admettre. Mais à mon avis, on n'a pas débloqué. Non, on n'a pas débloqué. Oh, putain. Oh, mais ils sont sérieux. Il n'y a pas de feu de camp. Et il n'y a aucun raccourci possible. Putain. Bon. Et dans ce cas-là... Ça va être compliqué s'il n'y a pas de feu de camp jusqu'au premier boss, parce qu'on peut pas avoir les feux de camp qu'on n'a pas, mais non. Bon. Bah écoutez, j'espère que ce premier épisode du DLC de Dark Souls 2, donc je sais même plus son nom, Sunken King, enfin vous verrez dans le titre de la vidéo, vous a plu, si vous avez plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et moi je vous dis bye, et à la prochaine, salut tout le monde.